12h10, l'invité de questions politiques ce dimanche 8 avril, je vous le disais, est Marine Le Pen. Elle va s'installer dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour Marine Le Pen et bienvenue. Faut-il dire Front National ou Rassemblement National ? Pour l'instant, Front National, en attendant que les adhérents du Front National votent. Et ce vote aura lieu jusqu'à fin mai. Et donc c'est à la fin mai qu'on pourra dire Rassemblement National si les adhérents le souhaitent. Exactement. Alors, de nombreuses questions à vous poser, évidemment, une actualité très chargée. On va vous interroger sur votre projet, votre stratégie. Mais d'abord, c'est la tradition. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Marine Le Pen ? Ce qui m'a marqué, c'est le plan annoncé à renfort de tambours et de trompettes sur l'autisme, que j'ai trouvé en réalité extrêmement décevant, pas du tout à la hauteur, ne permettant pas la détection des enfants qui sont victimes de troubles du spectre autistique, et notamment rien sur l'école, rien sur le retour nécessaire, à mon avis, de la visite médicale à l'école, qui serait le meilleur moyen de détecter ces troubles, ainsi que d'autres, d'ailleurs, troubles qu'un enfant peut avoir. Et donc, que ce soit dans le montant qui a été annoncé, ou que ce soit dans l'autosatisfaction qui a été exprimée par le président de la République et le Premier ministre, je pense que le gouvernement est là à côté de la plaque. Vous dites peut mieux faire ou vraiment ça vous met en colère ? Ça me met en colère parce que je sais que derrière il y a une souffrance absolument gigantesque de dizaines de milliers de familles, qu'il y a des parents qui se battent pour que leurs enfants aient une scolarité normale, qui n'ont pas accès aux aides qui sont pourtant prévues par la loi et qui même parfois sont victimes de signalements. Parce que le simple fait de réclamer pour leurs enfants ce qui est prévu par la loi entraîne des signalements de ses parents aux services sociaux. Donc il y a vraiment quelque chose de très lourd, de très grave. Et je pense que sérieusement, le gouvernement ne met pas sur la table tous les moyens pour pouvoir résoudre cette difficulté. Tout de suite, le zapping politique de la semaine, il est signé Laurence Perron. This is the beginning. Il est certain que si nous avons la sagesse de nous fédérer dans tout le pays, le dernier mot nous reviendra. L'insoumis en chef au milieu des syndicats, c'était jeudi à Marseille. Parce que nous sommes les 99% de la population. Et eux sont une toute petite minorité, incapable de justifier les privilèges qu'ils se sont attribués. Ceux qui me disent que je rêve d'un mai 68 avec un sourire en biais, je réponds que oui, c'est un beau rêve, je préfère mon beau rêve au cauchemar qu'ils sont en train de déployer. It's the vessel of the mermaids and it turns blue under the storm. Like a freeway over the void. C'est parti, coagulation des mécontentements, convergence des luttes, bref, la chienlit. À regarder ce qui se passe à la fac de Tolbiac, on se croirait même revenu en 68 chez les Mao dans un film de Godard. Bienvenue dans cette première autoconférence de l'automédia de la commune libre de Tolbiac. Alors pourquoi un automédia et pourquoi une autoconférence ? Nous avons constaté depuis le début du mouvement que notre parole n'était soit pas relayée, soit complètement détournée par les médias classiques. Hier, à l'Assemblée Générale, nous avons voté l'occupation et le blocus illimité de Tolbiac. Nous exigeons la démission de Macron, le retrait de la loi 1. Hier, l'Assemblée Générale a apporté son soutien au peuple kurde. Nous soutenons aussi les cheminots et tous les précaires de cette université. Et tandis que la gauche unie prend le train pour défendre les cheminots dans la Somme, Emmanuel Macron tente de parler autisme à Rouen. On lui répond surdité du pouvoir. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regarde, mais oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Le déficit public, c'est beaucoup les banques, hein, pour l'instant. Mais non, c'est pas vrai, c'est nous. Ni les cheminots, mais c'est nous. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai de vous dire, c'est pas les banques, vous dites des bêtises. The world is turning upside down. We're falling through the sky. We make it to the other side. It starts all over again. Dialogue de sourds, encore là, ça se passe à l'Assemblée nationale. La députée insoumise Danielle Obono face à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Ce projet vise à renforcer le contrôle, le rejet aux frontières, l'assistance, mais à minima. Pour lutter contre la pauvreté, vous luttez contre les pauvres et vous luttez contre les précaires. Ce sont des propos qui peuvent être jugés polémiques, ils le sont. Et je les prononce avec sérieux et empreint d'une certaine gravité parce que, effectivement, le sujet est grave et les conséquences le sont encore plus. Pour Madame Obono, je ne dirai rien. Que dire ? Elle nous dit « J'aime les polémiques ». Faites attention, parce qu'à force d'aimer les polémiques, on finit par dire n'importe quoi. The 20th century is chucked overboard.
Là encore, si les mots ont un sens, le Premier ministre sur France Inter parle un langage parallèle à celui des cheminots. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Voilà. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Le sous-investissement de l'État dans la boîte est un problème. François Ruffin, lui, a une solution pour sortir de la boîte. Une grande fête à Macron le 5 mai prochain. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire, pour des raisons hyper différentes, sa fête à Macron, quoi. Il incarne le pouvoir de l'argent. On en a marre, je pense, de que notre vie, qu'on n'ait pas des boîtes à profit, quoi. Et donc voilà, c'est toujours l'économisme étroit. Et je pense que les gens, ils se sentent un peu étouffés, comme le ciel bas et lourd de la finance qui pèse comme un couvercle. Et il est temps pour nous de soulever ce couvercle et d'enfin pouvoir respirer, quoi. Quelle belle chose allons-nous faire maintenant ? À Macron, Marine Le Pen, c'est l'expression de François Ruffin. Il me semble qu'ils l'avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron, lui aussi. François, ces gens sont quand pas même la France insoumise, non, pas Jean-Luc Mélenchon. Enfin, tous ceux de la France insoumise, sauf Jean-Luc Mélenchon en réalité. Hein. Voilà. Et tous les partenaires de la France insoumise. Donc faire la fête à Macron ? Oui, enfin, on n'a pas les mêmes méthodes d'action. Moi, ce que je souhaite, c'est expliquer aux Français qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? De quoi Emmanuel Macron est le nom ? Et pourquoi, en réalité, l'intégralité des réformes qu'il est en train de mettre en œuvre correspondent à une philosophie, qui est une philosophie, effectivement, au bénéfice des grandes puissances financières, qui est une philosophie de la dérégulation, une philosophie de la mise en concurrence, y compris, évidemment, de l'ensemble de nos services publics, et puis une philosophie aussi du déracinement, voilà, de la mobilité, y compris de la mobilité forcée, ce que j'ai appelé le nomadisme, enfin ce que j'ai appelé, ce que j'appelle après Attali, le nomadisme, puisque c'est la philosophie Marine qui Le Pen transpire. Qui cite Jacques Attali, on aura tout vu. Bah, c'est-à-dire que le macronisme n'est pas du macronisme, en réalité c'est de l'attalisme. Emmanuel Macron a commencé sa carrière politique aux côtés de Jacques Attali, et on voit bien que l'on retrouve dans les réformes d'Emmanuel Macron, en réalité, la philosophie de Jacques Attali. Alors on va prendre le temps justement de rentrer avec vous dans le détail de ce que vous proposez comme contre-réforme aux réformes du président de la République, mais d'abord, votre portrait Marine Le Pen, il est signé Karine Bécard. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Marine Le Pen, quand vous avez été élue députée, après trois premières tentatives où vous aviez échoué, bref, quand vous débarquez en juin dernier à l'Assemblée, votre réputation, comme toujours, vous précède. Même après le second tour de l'élection présidentielle, vous apparaissez comme une cogneuse, une bagarreuse, une professionnelle de la politique qui, depuis toute petite, a le sens de la réplique. Sauf qu'après 10 mois déjà passés dans l'hémicycle, qui se souvient, Marine Le Pen, d'une seule de vos interventions ? La plupart du temps, vous semblez un peu coincée sur le banc, mais quand enfin vous participez, ce que vous dites est suffisamment classique pour ne pas susciter la polémique. Comme si vous cherchiez à vous dissimuler, après avoir été si visible et si mordante, vous êtes aujourd'hui totalement transparente. Enfin, un petit peu moins depuis maintenant quelques temps, parce qu'à bien vous observer, Marine Le Pen, la chef de parti que vous êtes, a récemment montré qu'elle avait retrouvé de la pugnacité. Certes, pas encore assez pour imposer ce fameux nouveau nom Rassemblement National à votre formation, mais tout de même, quand vous avez appelé à voter à Mayotte pour le candidat LR, c'était stratégiquement bien joué. Vous ne pouviez pas mieux gêner votre adversaire, Laurent Wauquiez, qui projette une OPA sur votre électorat. Donc vous avez décidé, visiblement, de repartir au combat. D'ailleurs, vous l'avez confirmé lors des dernières attaques terroristes, avec, je dirais, cette hyper-réactivité typiquement frontiste. Cela dit, repartir au combat, peut-être, Marine Le Pen, mais pour faire quoi ? Parce qu'après le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle, qui pensez-vous convaincre désormais de vos réelles capacités à gouverner ? 11 millions de personnes, c'est vrai, se sont portées sur vous. C'est un quart de la totalité du corps électoral français, c'est-à-dire beaucoup. Seulement, votre crédibilité aujourd'hui, Marine Le Pen, est évidemment entamée et il sera difficile, vous le savez, de parvenir à la reconstituer. Commentaire Marine Le Pen ? J'ai pas bien compris si on me reprochait de ne pas être la caricature que vous faites de moi en réalité, mais vous restez la caricature de la manière dont la presse gère le Front National. Pourquoi la caricature ? Et moi,
Parce que je crois que on ne peut pas dire en même temps qu'il y a eu un nombre tout à fait spectaculaire de Français qui se sont portés sur moi et dans la même phrase arriver à dire que il y a une décrédibilisation totale de la personne, etc. Je crois que c'est contradictoire. Vous n'avez pas le sentiment que votre crédibilité elle a quand même été entamée ? Non, j'ai le sentiment que vous répétez ça comme un leitmotiv depuis un an, peut-être pour vous rassurer vous-même d'ailleurs, car en réalité le Front National est toujours présent, il est plus que jamais présent. Il est plus que jamais utile, puisque le fondement des idées que nous défendons mérite que nous les défendions toujours, puisque par définition, Emmanuel Macron ne fait qu'aggraver les politiques qui ont été menées par ses prédécesseurs. Mais il n'est pas d'une très grande originalité. Mais on parle de vous, en fait, là. C'est votre crédit à vous. Après, les idées du Front National peuvent effectivement être incarnées, peut-être par une autre personne, puisque je parle de votre crédit personnel. Oui, mais j'ai bien compris que vous souhaitez vous débarrasser de moi. Mais pas du tout. Et plus vous souhaitez vous débarrasser de moi, et plus je me dis qu'en réalité, je dois quand même continuer à inquiéter mes adversaires politiques pour qu'ils cherchent tous à m'enterrer en toutes circonstances. Alors, je dis à ceux qui nous écoutent, n'écoutez pas en l'occurrence les journalistes, les éditorialistes, les politologues. Alors, voyez comment ils que vous je écoutent, suis vous exactement là où je dois être, que je continue ce combat qui est un combat essentiel pour notre pays qui jamais probablement ne s'est aussi mal porté et au-dessus de la tête duquel il y a tant de dangers qui s'accumulent, moi et l'ensemble de ceux qui au Front National se battent au quotidien. Mais avouez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en un an. Il y a un an, jour pour jour, c'était le 8 avril 2017, on était à 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Dans les sondages, vous arrivez en tête du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit à ce moment-là ? Est-ce que à ce moment-là, vous croyez en vos chances de gagner l'élection présidentielle ? Mais bien entendu que nous croyons en nos chances à l'époque, et nous y croyons toujours d'ailleurs. Ne vous en déplaise. Ah mais vraiment, ne faites pas trop attention, Marine Le Pen, non, je vous pose une question et je crois simple. Que tout le monde y croyait. Et je crois que Emmanuel Macron croyait, effectivement, vous n'avez pas cru que les jeux que étaient nous puissions gagner les élections présidentielles. Et c'est tout à fait légitime, car enfin, avant une élection, effectivement, celui qui arrive au second tour de l'élection présidentielle a toujours une chance de gagner l'élection présidentielle. Bah. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu autant de brutalité, autant de violence développée contre nous dans le cadre donc de cette élection pas que les jeux étaient faits présidentielle. Non, jamais les choses ne sont faites d'avance. Ça ne veut pas dire que le combat est équilibré. Enfin, je veux dire, je pense que chacun, même vous, admettrez que Emmanuel Macron était porté dans cette élection présidentielle par des puissances coalisées, très puissantes, les médias, les puissances financières, le CAC 40, enfin, le suffrage universel s'est exprimé, etc., etc. Oui, mais ça crée les conditions, si vous voulez, d'un combat qui est évidemment un peu inégal dans les possibilités. On vous parle régulièrement. Et malgré cela, nous avons fait le score le plus important de notre formation politique. C'est la vérité. Pour l'instant. Et Madame Le Pen, on vous parle effectivement régulièrement de ce débat qui a eu lieu dans l'entre-deux-tours. Mais selon vous, Madame Le Pen, qu'est-ce qui a manqué pour que vous atteigniez pas forcément la victoire, mais un score plus élevé au-delà de ce débat qui revient régulièrement dans les explications? Quelles sont vos explications à vous de cet écart assez grand, finalement, entre le score de Monsieur Macron et le vôtre? Alors, encore une fois, je pense que Emmanuel Macron a bénéficié d'un soutien quasi total. Oui, mais ça mais joue. Sur votre analyse, il est évident votre programme à vous et de votre parcours à vous, madame. Notre positionnement n'a pas été présenté avec la loyauté qu'on aurait pu attendre d'un certain nombre de médias et d'intervenants de la démocratie. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire nous devons continuer à expliquer, nous devons continuer à convaincre, nous devons continuer à lutter contre la caricature qui est faite de nos positions et qui, malgré tout, continue. Moins importante qu'avant, mais qui tout de même continue. Et puis, au fur et à mesure, se met en place un nouveau clivage, qui est un clivage réel, je l'ai souvent dit, entre les mondialistes et les nationaux, parce que je crois que ce clivage gauche-droite, qui est aujourd'hui totalement artificiel et obsolète, a tout de même contribué, au fur et à mesure des années, à créer un faux débat
un faux combat politique dont nous avons été en partie victimes. Françoise Fressoz. Mais il y a eu un doute au sein même de votre camp sur votre capacité à vous à incarner le prochain président de la République ou la prochaine candidat à la présidence de la République. Tout le monde a dit, y compris dans votre mouvement, c'était pas au niveau ce débat. Est-ce que vous l'avez pris pour vous? Comment est-ce que vous avez rebondi après ce moment qui est quand même extrêmement douloureux? Nelson Mandela dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Oui, bien entendu, quand on est un responsable politique de premier plan depuis un certain nombre d'années, ce qui est mon cas, bien entendu, on peut rater un rendez-vous. Et qu'avez-vous appris ? Et j'ai raté ce rendez-vous, même si, avec le recul, beaucoup de Français s'apercevront qu'il y avait dans ce débat l'annonce de tous les éléments de la politique qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en œuvre, de tous les dangers, encore une fois, qui pèsent aujourd'hui sur notre pays et de toutes les conséquences qui vont être celles de la politique d'Emmanuel Macron. Mais qu'avez-vous appris pour répondre à Françoise ? Peut-être, somme toute, que le regard changera au fur et à mesure sur des vérités que j'ai exprimé lors de ce débat, de manière trop véhémente, selon les dires de certains, mais de manière tout à fait sincère, parce que je ne sais pas faire de la politique autrement. Donc il n'y a pas de regret. Mais il n'y a pas de regret à avoir, y compris sur les erreurs que l'on peut commettre ou sur les moments où on n'est pas optimal. Mais il y a en revanche évidemment des leçons à tirer pour éviter que ce type de rendez-vous raté se reproduise. Françoise, puis Jeff. Vous revenez sur une ligne qui n'est pas exactement celle qui était la vôtre avant. Avant, c'était un peu le ni-ni-ni, j'essaye d'agglomérer en fait tous les mécontents, les milieux populaires. Là, vous êtes plutôt sur une ligne, le rassemblement, donc crée des alliances. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de rapprochement avec la droite. D'ailleurs, vous faites des signaux de rapprochement. Est-ce que, au fond, vous n'êtes pas en train de mettre à bas tout ce que Marine Le Pen, l'ancienne Marine Le Pen, prônait? Mais en aucune façon. Je voudrais que vous compreniez que la situation change et que nous ne sommes pas figés politiquement. Ce nouveau clivage, c'est nous qui l'avons imposé dans la vie politique française. Nous avons fait quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est grâce à nous que ce clivage que nous avons théorisé se met aujourd'hui en place. Et Emmanuel Macron s'est mis dans notre roue, en quelque sorte, en endossant lui-même ce clivage mondialiste nationaux. Il organise, en quelque sorte, Emmanuel la recomposition. Macron a repris votre théorisation du paysage politique, Marine Le Pen ? Bien sûr. Mais je crois que d'ailleurs, si vous lui posiez la question, probablement, il ne se sentirait pas obligé de le nier. Or, il effectue, lui, une recomposition autour du pôle des mondialistes, des européistes, à charge pour nous, et c'est aujourd'hui effectivement mon combat essentiel, d'opérer la recomposition de la vie politique autour du pôle des nationaux, c'est-à-dire autour de ceux qui considèrent que la nation et les protections qui sont les conséquences de la nation doivent être vigoureusement défendues dans l'intérêt du peuple français. C'est la raison pour laquelle je lance ce signal d'alliance, de rassemblement, parce que je crois qu'il est absolument nécessaire d'accélérer cette recomposition de la vie politique, dont je pense qu'elle trouvera son issue en réalité au cours des élections européennes. C'est peut-être pour cela que M. Wauquiez est aussi fébrile et inquiet. Mais comment expliquez-vous que dans d'autres pays, les partis qui vous ressemblent, le FPO en Autriche, par exemple, la Ligue en Italie, arrivent à nouer des alliances, alors qu'en France, il y a toujours cette espèce de cordon sanitaire qui est interdit à la droite, même version Laurent Wauquiez, de s'allier à vous? Comment faire sauter ce verrou qui est récurrent et qui ne bouge pas depuis des années? Marine Le Pen. On dit souvent « comparaison n'est pas raison ». Nous avons des cultures politiques qui sont différentes. Et il est évident que la culture italienne comme la culture allemande... Autrichienne. Allemande aussi d'ailleurs, ce sont des cultures d'alliance.
Et ça n'est pas le cas, en l'occurrence, en France. Mais c'est aussi lié au mode de scrutin. Car ils ont un scrutin proportionnel. Et parce qu'ils ont un scrutin proportionnel, ils sont depuis des décennies obligés de discuter, obligés de négocier. Or, nous, nous sommes avec un scrutin Vous pensez que c'est la seule raison majoritaire à deux tours qui, en réalité, a congelé la vie politique française et qui fait d'ailleurs qui fait pousser des hauts cris. Pas tant que ça. Regardez ce qui s'est passé il y a un an. Quand on envisage la proportionnelle. Mais vous pensez que c'est la seule raison, parce Madame que, Le Pen? Parce que le scrutin majoritaire est un scrutin de feignants. C'est-à-dire qu'il suffit. Ben pardon. Non, mais c'est l'expression qui est amusante. Il suffit d'attendre, même si on est mauvais. Il suffit d'attendre son tour. Mécaniquement. Mécaniquement. Mais regardez comme ça, c'est pas passé comme ça en 2017. Mais ça s'est passé comme ça depuis des décennies. La gauche est au pouvoir, elle est nulle. La droite, qui est aussi mauvaise, attend patiemment que son tour arrive. Mais elle arrive au pouvoir. Elle est aussi nulle que la gauche. Vous ne faites pas le constat que on vit un métronome et qui a en effet congelé la vie politique. Et on en vient à la proportionnelle, et encore une fois, puisque c'est le sujet, de, entre autres, hein, une partie des modifications institutionnelles que veut mettre en œuvre Emmanuel Macron, on voit que 15% des élus, des députés seraient élus à la proportionnelle, 30% de députés en moins à l'Assemblée, c'est la proposition d'Edouard Philippe. Oui, c'est une aumône. On en à la démocratie. C'est une aumône. Et surtout, ça ne correspond à rien. On ne sait pas quel est l'objectif de cela. Car il y aurait... Moi, je suis pour 100% de proportionnel. Mais il y aurait eu 50% de proportionnel. On se serait dit, Emmanuel Macron a compris la rupture qui existe aujourd'hui entre les électeurs et le processus démocratique. En général, des majorités ingouvernables, des... Regardez ce qui se passe un peu dans les autres pays où il y a la proportionnelle. Et regardez, souvenez-vous aussi de la 4e République. Ce que vous dites n'est pas vrai. Entre 86 et 88, il y avait la proportionnelle intégrale et il y a eu une majorité extrêmement stable. Mais il y a un certain nombre de processus que l'on peut mettre en œuvre pour éviter cette difficulté, dont la prime à la liste arrivée en tête. Oui. Ceci permet d'avoir une majorité stable, si tant est qu'on n'ait vraiment pas envie de travailler. Parce que la proportionnelle oblige à travailler. Elle oblige à trouver une majorité, peut-être même à chaque texte. Mais c'est très sain parce que tous les Français se sentent alors entendus et surtout se sentent représentés, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous savez, par exemple, que député, pour élire un député La France Insoumise, faut 9 fois moins d'électeurs qu'un député Front National. Comment ça? Et En Marche, 7 fois moins qu'un électeur Front National. Parce que le nombre d'électeurs que nous avons fait aux législatives, rapporté au nombre de députés qui ont été élus, pour élire un député Front National, croyez-moi, il faut du monde. Hein. Oui, mais c'est pas circonscription par circonscription. C'est vrai que c'est un peu de mauvaise foi. Il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que c'est en même temps profondément injuste et en même temps profondément antidémocratique et que nous sommes le seul pays quasiment aujourd'hui dans cette situation. Vous allez voter non, François, à la réforme ou vous dites qu'il faut l'améliorer? Je vais attendre d'abord d'avoir un certain nombre d'explications parce que pour l'instant il y a des choses extrêmement floues. On nous dit que l'on va modifier le fonctionnement, l'utilisation des amendements par les députés d'opposition, mais on ne sait pas sur quoi va porter cette modification. Or, vous le savez, le droit d'amendement de l'opposition est un droit sacré. C'est un droit constitutionnel que moi je considère comme sacré dans une démocratie. Donc vous êtes vigilant, vous allez essayer d'obtenir des améliorations. Vous n'êtes pas dans un non ferme et définitif pour le moment. Pour l'instant, ce que je vois m'apparaît comme beaucoup de réformes d'Emmanuel Macron inutiles et inefficaces. Parce que, encore une fois, j'ai moi-même proposé la baisse du nombre de parlementaires, mais avec la proportionnelle intégrale, ce qui changeait totalement la philosophie de cette réforme. Alors que là, baisser le nombre de parlementaires, mais en admettant que 15% de proportionnel...
c'est évidemment aller au-devant des mêmes problèmes démocratiques dont, je l'espère, Emmanuel Macron souhaitait sortir. Karine Bécart, puis Jeff Wittenberg. Je voudrais revenir, moi, juste un instant, parce que je trouve qu'on a quand même été un petit peu vite sur votre nouvelle stratégie, qui est une stratégie donc ouverte aux alliances. Très concrètement, en fait, avec qui pensez-vous réussir à vous allier? On voit bien que Nicolas Dupont-Aignan, avec qui vous aviez réussi une alliance pendant la campagne présidentielle, a créé sa plateforme des Amoureux de la France, qu'il a réussi à attirer Jean-Frédéric Poisson, qui a également le couple Ménard, qui a aussi depuis très peu de temps maintenant les Indépendants et les Paysans. Enfin, eux se regroupent. Vous faites quoi? Vous rejoignez cette plateforme-là? Je pense pas. Vous réussissez à l'attirer vers vous? Enfin, avec qui, concrètement, pensez-vous réussir une alliance? Marine Le Pen. Madame Bécart, avec tous ceux qui le souhaitent. Mais si personne le souhaite? Eh bien, si personne ne souhaite, nous irons au combat électoral comme nous l'avons toujours fait, avec un certain succès, vous l'admettrez, puisque nous sommes arrivés en tête des dernières élections européennes. Mais nous pensons, encore une fois, que face à Emmanuel Macron, qui est lui-même en train de rassembler jusqu'à Alain Juppé, et tous ceux qui, chez les Républicains, sont des Eurobéas, eh bien, il faut absolument, c'est le pays qui l'exige, c'est pas... pour la défense de nos propres intérêts. Oui, mais c'est le pays qui exige. C'est pour comprendre. Marine Le Pen, et juste pour qu'il y ait de la clarté dans ce que vous dites et ce que vous proposez, puisque vous avez appelé à voter pour un candidat LR. C'est plus facile de laisser aller au bout de la phrase. Non, mais vous avez appelé à voter pour un candidat LR. J'ai appelé à voter pour un candidat soutenu par Mansour Kamardine à Mayotte, parce que Mansour Kamardine m'apparaît être tout à fait conscient du drame que vit son île. Mais c'est une exception ou ça pourrait se reproduire? Et a exprimé très clairement la volonté de lutter de manière très ferme contre l'immigration clandestine et contre l'insécurité qui en est le corollaire. Mais c'est une exception ou ça pourrait se reproduire? Mais ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit. Ça s'est produit, par exemple, aux législatives en Nouvelle-Calédonie, où nous avons appelé à voter aux dernières législatives pour le candidat qui était face à un indépendantiste, car nous sommes très opposés à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et souhaitons évidemment conserver la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc, vous voyez, on est capable, au Front National, de mettre nos intérêts électoraux de côté, parce qu'à un moment donné, dans un territoire donné, une situation donnée nous oblige à avoir une pensée supérieure et à aller évidemment dans le sens du bien-être de la population. Jeff. Les personnes qu'évoquait à l'instant Karine Bécart autour de Nicolas Dupont-Aignan, dont je le rappelle voulait faire votre premier ministre, elles disent le clivage, enfin plutôt le credo de dire ni droite ni gauche, c'est fini, il faut revenir à la droite et la gauche. Est-ce que vous maintenez cette philosophie du ni droite ni gauche, d'une part, et d'autre part, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, avec le départ de Florian Philippot, il vous manque autour de vous, Madame Le Pen, des poids lourds? Vous êtes seule à incarner votre voix, finalement, et votre parti. Deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Qui se rejoignent, en tout cas, la première, dans vos résultats. Je dis et je maintiens que le clivage, aujourd'hui, est entre les mondialistes et les nationaux. Pas entre la droite et la gauche. Ceux qui veulent à tout prix faire renaître, revivre un clivage gauche-droite ont une vision, à mon avis, obsolète de la vie politique. Ils sont à côté de la réalité et même... à côté de la nécessité, car encore une fois, vous verrez aux élections européennes qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre une grande partie du parti Les Républicains et du parti En Marche. Et ils vont se mettre ensemble pour défendre une Europe fédéraliste, pour défendre un recul des souverainetés nationales, pour défendre une vision économique de la concurrence à tout prix, de la loi du marché, et donc du recul de la démocratie au sens de la volonté du peuple. Et si on continue avec ce clivage gauche-droite, parce qu'il y a de la gauche et de la droite dans En Marche, et il y aura de la gauche et de la droite dans cette liste qui va défendre cette Europe fédéraliste. Si nous ne sommes pas capable d'avoir cette vision-là, si nous ne sommes pas capables d'accueillir tous ceux qui viennent de droite
et de gauche, c'est-à-dire des anciens clivages, pour défendre la nation, alors nous passerons à côté de l'histoire, peut-être même l'histoire avec un grand H. Karine, Françoise, et on change de chapitre ensuite. Une dernière question sur l'état de votre parti. Vous avez quand même un certain nombre d'élus FN, notamment dans l'Est de la France, qui s'en vont. On a le sentiment d'une petite hémorragie quand même au sein du Front National. Ça ne donne pas le sentiment d'être un parti qui va bien quand il se passe ça. Madame Bécard, nous faisons la refondation. Oui. Ça vous a pas échappé? Non. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Eux aussi, ils sont dans des anciens clivages. Eux aussi, ils veulent rester dans leur ancien confort. Donc c'est pas grave. Eux aussi, ils veulent rester dans une petite structure entre soi. Eh bien, ils choisissent cette voie-là. Moi, je ne le souhaite pas. Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour le Front National, mais au-delà du Front National, j'ai beaucoup d'ambition pour les idées que porte le Front National. Ces idées qui sont en train de gagner dans tous les pays d'Europe. Tous, les uns après les autres, voient soit arriver au gouvernement, soit enregistrer des montées électorales spectaculaires, des mouvements qui ont les mêmes critiques que les nôtres à l'égard de l'Union européenne, qui souhaitent eux aussi une Europe des nations et qui souhaitent surtout conserver leur souveraineté, leur indépendance, leur système de protection sociale. Alors, c'est un moment important du Front National, ce moment de la refondation. Et j'ai envie de vous dire que le départ de quelques-uns, car ils ne sont que quelques-uns, mais en fait est justement symbolique de l'importance et de la réalité de la refondation que nous sommes en train de mettre en œuvre. Françoise. C'est combien de militants aujourd'hui le Front National ? Écoutez, je crois que nous sommes à peu près à 45 000. Ce qui est faible, c'est pas beaucoup. Bah, c'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui aimeraient en avoir autant, le Parti Socialiste. En 2012, vous disiez 80 000. Mais non, Madame Bécard, vous vous trompez entre les adhérents statutaires et les adhérents à jour de cotisation. Il y a 80 000 adhérents statutaires, c'est-à-dire des gens qui sont à jour de cotisation plus un an de retard. Et il y avait 51 000, il y a quelques semaines, adhérents à jour de cotisation. Pourquoi nous avons enregistré une baisse? Pardon. Parce que durant 4 mois, 4 longs mois, aucun adhérent n'a pu adhérer sur Internet parce que nous avons été victimes d'une véritable persécution bancaire qui a interdit à nos adhérents d'adhérer sur Internet. Alors, c'est fini. On peut à nouveau adhérer sur Internet et j'appelle tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs à le faire. Nous rattrapons donc ce retard, mais nous avons subi un très lourd préjudice. Imaginez n'importe quelle entreprise qui soit ainsi privée de contact avec ses clients sur Internet. Vous imaginez bien les difficultés dans lesquelles elle serait. Donc nous avons limité ces difficultés et nous sommes en train de rattraper ce retard. Mais ceci ne... les analyses qui consistent à dire que ce serait une marque de difficulté se trompent totalement. Nous allons bien et nous allons d'ailleurs le démontrer, non seulement parce que nous allons nous lancer dans cette campagne européenne d'ici quelques semaines, mais aussi dans la campagne des municipales que nous allons démarrer très vite, car je crois beaucoup, vous le savez, à l'implantation locale. C'est un axe essentiel de mon mandat. Je crois que ça a déjà un peu... ça a été un peu perçu, hein, puisque nous avons aussi enregistré des victoires municipales. Évidemment, j'espère en obtenir bien d'autres. La présidente du Front National, Marine Le Pen, est l'invitée de Questions Politiques. France Inter, Ali Badou, Questions Politiques. Avant les batailles politiques et les prochaines échéances électorales, Marine Le Pen, il y a évidemment le climat social, les grèves, les mobilisations qui sont dispersées aujourd'hui, qui pourraient peut-être s'agréger. Est-ce que vous vous sentez exclu de ce mouvement social ? Non. Non, mais je vous pose la question tout simplement parce qu'on ne vous voit pas dans les manifestations, on ne vous voit pas défiler avec les cheminots, par exemple, ou du côté des étudiants. Il est évident que vous ne me verrez pas aux côtés des étudiants bolchos qui bloquent les facultés. Bolchos.
Oui, Bolshow, oui, Bolshow, en écrivant sur les murs « mort aux flics ». Non, là, honnêtement, vous m'y verrez pas. Ça, c'est une certitude. Pas plus que vous ne me verrez aux côtés des centrales syndicales, car je ne mélange pas les dirigeants des centrales syndicales avec les syndiqués, qui bien souvent, d'ailleurs, il faut le dire, sont également des électeurs Front National. Mais les dirigeants des centrales syndicales qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, qui savait pertinemment la volonté d'Emmanuel Macron, soit d'utiliser et même d'abuser des ordonnances, soit de mettre en place la volonté de Bruxelles, c'est-à-dire la dérégulation, la concurrence à tous les étages, et qui aujourd'hui font mine de crier au loup, alors qu'ils ont ouvert au loup la porte de la bergerie, voyez. Aux côtés de cela, vous ne me verrez pas. Mais est-ce pour cela que je ne défends pas nos services publics? Évidemment que non. Est-ce pour cela que je n'ai pas toujours été, dans une belle cohérence d'ailleurs, vous l'admettrez, aux côtés de ceux qui refusent de se voir imposer les diktats de Bruxelles, et notamment, encore une fois, cette ouverture à la concurrence dont nous savons très bien que l'objectif à terme, c'est la privatisation et donc la disparition. Ça, c'est l'argument des de la CGT publics. Aussi. C'est l'argument de la CGT aussi. Mais on a l'impression, c'est pas un argument, c'est une réalité. Mais on a l'impression, à l'occasion de ce conflit, que pour le coup, le clivage gauche-droite a rené. On voit bien que la CGT, une partie de la gauche, est derrière les grévistes, et que vous savez pas trop entre choisir entre défense du service public ou protection des usagers. Vous dites, j'aime pas la forme qu'a pris la grève. Ça handicape trop les usagers. Donc on sent que vous êtes quand même assez mal à l'aise dans le conflit. Marine Le Pen. Est-ce qu'on est obligé d'être caricatural? Non, mais on est obligé d'être clair. Vous pouvez nous dire, par exemple, si vous souhaitez la poursuite de la, par exemple, à dénoncer l'agriculture pendant que vous défendiez les cheminots. D'être caricatural. Est-ce qu'on peut défendre la SNCF, car moi je défends la SNCF, sans obligatoirement se réjouir de la perturbation générale du pays? Est-ce qu'on peut dire, moi je considère qu'il y a d'autres moyens, peut-être, d'exprimer le désaccord avec la politique menée par le gouvernement concernant la SNCF? On peut envisager, par exemple, la gratuité totale des transports pour les usagers, voilà quelque chose qui plairait à tout le monde et qui n'handicaperait pas au maximum un certain nombre de personnes, les plus modestes, disons-le, parce que ce sont elles qui n'ont pas d'autres moyens, bien souvent, de transport que le train. Mais intéressons-nous au fond. Sur le fond, je considère que l'État, encore une fois, se soumettant ainsi à la volonté exprimée et votée par la gauche et la droite d'ouverture de la SNCF à la concurrence, est en train d'abandonner, de larguer la SNCF. En réalité, la privatisation de la SNCF, si je puis me permettre ce jeu de mots, est sur les rails. Que les arguments qui sont développés sont des arguments injustes et malhonnêtes. Parce que, honnêtement, la dette, qui est tout de même le problème essentiel, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. La dette, elle est la conséquence de quoi? Est-ce qu'elle est la conséquence du statut des cheminots? Réponse, non. Or, c'est cela que dit le gouvernement. Le gouvernement dit, la dette, c'est de la faute des cheminots. Donc et c'est la raison pour laquelle on va modifier le statut. Vous approuvez ce que disent les syndicats, en l'occurrence, c'est Madame Le Pen? Faux. Et si les syndicats dénoncent cela, ils ont raison de le faire. C'est faux. Donc il faut que l'État reprenne la dette. La réalité, c'est que la dette est la conséquence d'abord d'un tour de passe-passe scandaleux effectué par Monsieur Juppé à la fin des années 90, qui a planqué une partie de la dette de l'État dans la SNCF pour pouvoir. Mais sans refaire l'histoire, est-ce qu'il faut que l'État reprenne la dette? Refaisons l'histoire, cher monsieur, c'est essentiel. Parce que la justice, elle ne peut être la conséquence que d'une histoire bien comprise. Donc Alain Juppé a planqué une partie de la dette de l'État dans la SNCF pour faire plaisir à Bruxelles et pour rentrer dans les critères de convergence de la monnaie unique. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, il y a Monsieur Pépi. Monsieur Pépi, ça fait des années qu'il est à la tête de la SNCF. Vous l'avez déjà dit, vous voulez le voir sortir de la SNCF. Oui, je pense qu'il faut qu'il s'en aille, parce que c'est lui qui a mis en place une stratégie, et notamment une stratégie d'investissement sous forme de partenariat public-privé, très onéreux pour la SNCF. Mais dites-moi, moi la vraie question que je me pose au fond, c'est pour qui est faite cette réforme?
Et est-ce qu'on n'est pas là en plein conflit d'intérêts? J'ai lu que Monsieur Vichra, qui est un ami de promotion de l'ENA d'Emmanuel Macron, le fournissait en notes. C'est le directeur adjoint du groupe SNCF. Je vois que la ministre des Transports est l'ancienne directrice de la stratégie de la SNCF. C'est-à-dire que c'est elle qui est en partie coupable. C'est de la connaissance des dossiers pour le coup. Mais pardon, c'est elle qui est en partie coupable de la situation de la SNCF que dénonce le gouvernement, et il choisit de confier à celle qui est coupable le soin de mettre en œuvre la réforme. Non, vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu contre soi? Jeff, ce que vous conseillez, vous dénoncez beaucoup de choses, très bien. Ce qu'on voudrait savoir, c'est finalement la SNCF, on la réforme comment? Parce que malgré tout, il faut la réformer. Il y a 46, 47, 50 milliards de dettes. Vous faites quoi pour faire en sorte que les trains roulent à l'heure, que ça soit confortable et qu'ils roulent à bonne vitesse sur les rails, puisque manifestement, les rails sont dans une situation telle qu'on n'arrive plus à faire fonctionner les trains normalement. On fait quoi? Parce qu'il y a un vrai problème. D'abord, la première des choses à faire, c'est de mettre en place de la concertation. Alors, concertation. Voilà. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le recours aux ordonnances a été un signal très clair du refus de la concertation avec les partenaires. Alors, ordonnances sont sorties pour ce qui concerne la concurrence. Moi, je pense que beaucoup de partenaires sont prêts à ce qu'il y ait des réformes, des améliorations. Et je vais vous dire, quel que soit le sujet, le service public peut très certainement toujours être encore amélioré. Mais l'État doit-il racheter la dette de la SNCF? Oui, je pense que l'État doit reprendre la dette de la SNCF, car je pense que l'État... Les contribuables doivent payer 46 milliards d'euros. Mais ils payent de toute façon. Qu'est-ce que vous croyez? Oui. Et qu'est-ce que vous croyez qui va se passer demain? Lorsqu'on va changer le statut de la SNCF, que croyez-vous qu'il va arriver? Eh bien, il va arriver que, évidemment, la SNCF va emprunter sur le marché, avec des taux d'intérêt qui vont être sans commune mesure avec ceux qu'elle peut obtenir aujourd'hui, et que donc on va continuer à aggraver la dette qui va peser sur les clients. Mais vous répondez pas à ma question, comment on améliore la situation de la SNCF? On peut pas rester quand même dans l'état dans lequel on est. Là vous dites, on absorbe la dette, c'est fini, on continue à faire fonctionner, on espère améliorer un peu, ça va pas solutionner le problème quand même. Pardon. Est-ce qu'on pourrait ne pas reprendre la logorée du gouvernement sans même se poser la question de savoir si ce que dit le gouvernement est juste? Parce que le système ferroviaire en France peut sûrement être amélioré, mais il est quand même très bon. Admettons les choses, par rapport à d'autres pays, ça fonctionne. 3 quand milliards même. De déficit par an, quand même. Ah, mais voilà, on en revient. Ah bah écoutez, on y a en quand même revient des à la dette. Non, mais d'accord. Donc, il y a quelque chose qui fois, fonctionne pas. On peut pas tout mélanger. Encore un mot et on va changer ne de me dites pas un coup la dette, un coup les horaires, un coup ceci, un coup cela. Bien sûr qu'il y a des améliorations à faire. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs stratégiques majeures dont Monsieur Pépi et Madame Borne sont essentiellement les responsables, et qu'il faut revoir la stratégie de la SNCF. Oui, je considère qu'il faut sauver le service public. Il faut que ça reste un service public, car sinon demain, les petites lignes auxquelles évidemment nous sommes attachés parce que ce sont les veines qui irriguent la ruralité qui souffre considérablement aujourd'hui, eh bien ces veines seront victimes de thromboses et qu'il n'y aura plus d'aménagement du territoire. Donc, il faut revoir l'intégralité de la stratégie de la SNCF. C'est sûr, on peut discuter du statut des cheminots avec eux. Mais le faire de cette manière-là, et le faire surtout avec cet objectif-là, qui est l'objectif de la privatisation, en ce qui me concerne, c'est non. Marine Le Pen est l'invitée de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Questions politiques sur France Inter. Dernière séquence de l'émission et Jeff, la lutte contre le terrorisme. Justement, Madame Le Pen, après l'attentat de Trèbes, comme le Parti des Républicains, vous réclamiez l'internement des fichés S, notamment. Comment vous réagissez aux prises de position de Frédéric Pechnard, l'ancien patron de la police nationale, ou Arnaud Danjean, qui a appartenu à la DGSE? Ce sont deux parlementaires et eux, ils disent que ça ne servirait à rien de faire ça. Ils connaissent un petit peu le dossier et que ce qui compte, c'est d'abord d'améliorer leur renseignement. Ils ont tort? Ils connaissent très bien le dossier, et ça tombe bien, car je n'ai jamais réclamé l'internement des fichiers S. Pas de tous les fichiers S, mais votre parti réclame en tout cas qu'une partie d'entre eux soit mis hors d'état de nuire, comme entre guillemets. C'est ce que vous avez dit le lendemain de l'attentat de Trèbes. Je demande l'application de la loi, et notamment de l'article 411.4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi.
Je pense que tous ceux qui sont convaincus d'avoir quelques relations que ce soit avec des organisations ennemies de la France, Daesh, Boko Haram, Al-Nostra, Al-Qaïda, et j'en passe et des meilleurs, soient préventivement incarcérés, qu'une instruction soit ouverte avec un juge d'instruction dans l'objectif de les juger et, je le souhaite s'ils sont coupables, de les condamner à une peine prévue jusqu'à 30 ans de prison par l'article 411. Préventivement incarcéré, dites-vous, donc c'est bien de la rétention, préventivement incarcéré. Non, vous ne savez pas la différence entre la rétention administrative et la préventive. Voilà, la détention préventive. Ce sont deux choses qui sont radicalement différentes. Bon, donc moi je reste dans le cadre de l'état de droit. Dans le cadre de l'état de droit, il y a des milliers de personnes, cher monsieur, aujourd'hui, qui sont suspectées d'avoir commis des faits graves et qui sont actuellement détenues de manière préventive dans l'attente de leur jugement. C'est ce que je souhaite. Il nous reste très peu de temps. Les fichiers S. Bon. Quand je vois que la situation est telle qu'un amendement de Madame Boyer, bon, par ailleurs, nous avons, sur membre certains sujets, de fortes divergences. Mais là, elle a poser un amendement que nous avions déposé dans d'autres lieux et dans d'autres temps, réclamant que des condamnés pour terrorisme soient étrangers, soient renvoyés à l'issue de leur peine dans leur pays d'origine, eh bien cet amendement n'a pas été voté. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'on fait preuve de fermeté dans la lutte contre le terrorisme. C'est faux. Rien n'est fait aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. La question portée sur l'efficacité. Il y a quand même toute une attitude d'Édouard Philippe qui dit, en fait, il y a une certaine légèreté d'une partie de la classe politique, et il fait allusion à vous et aussi à LR, d'attiser le feu systématiquement en disant, finalement, en faisant croire que le risque zéro n'existe pas. Est-ce que face au terrorisme, il ne faut pas conserver l'union sacrée le plus longtemps possible ? Marine Le Pen. Édouard Philippe caricature notre position. Bon, c'est normal, il est un partisan politique de l'œuvre de destruction menée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est extraordinaire de réclamer que les fichiers étrangers soient renvoyés dans leur pays d'origine immédiatement ? Est-ce qu'il est extraordinaire de réclamer la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de liens avec le fondamentalisme islamiste ? Moi, je ne le crois pas. Pourquoi ne réclamez-vous pas des mesures de bon sens ? La peine de mort pour les terroristes, vous ne la réclamez pas, pourquoi ? Mais j'ai expliqué très clairement que mon objectif était d'organiser un référendum sur la peine de mort. Mais je veux vous dire, qu'il y ait la peine de mort ou qu'il y ait l'incarcération à vie, l'important, c'est qu'il soit surtout mis hors d'état de nuire à la société, hors d'état de recommencer. Or, on voit bien que ces mesures essentielles dont je viens de vous parler, qui sont pourtant assez simples et surtout assez évidentes, le gouvernement se refuse absolument à les mettre en œuvre. Or, elles permettraient justement à nos services de renseignement de pouvoir se concentrer sur ceux qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays ou qu'on ne peut pas incarcérer. Ce serait beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace. C'est la fin de l'émission, Marine Le Pen. Désolé de vous interrompre, mais on en a fini pour cette émission. La semaine prochaine paraîtra le livre de François Hollande. En quelques mots, si vous deviez résumer son quinquennat. Eh bien, vous voyez, il n'y a aucun mot qui me vient, c'est pas rassurant pour lui. Merci, Marine Le Pen, d'avoir été notre invitée. Question politique.